Salut, c'est Thomas de Tom Dessonneau. Nouveau vlog aujourd'hui à la ferme Saint-Chrysole à Vambrechy pour le mariage de Laure et Nicolas. Allez, c'est pour toi, c'est parti. Oh là, oh, c'était pas bien. Voilà, donc on arrive à la fin du vin d'honneur. Vous avez pu constater qu'on a fait le lancer du saucisson du marié. Et juste avant, il y avait eu le lancer du bouquet de la mariée. J'ai pas pu prendre de film, voilà, parce que j'étais en cours de présentation. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, à la ferme Saint-Chrysole. Donc je fais un coucou à Julie et toute son équipe. Je me prépare, entrée des mariés, presque tout de suite. Let's go! Merci. Je me rappelle quand tu as quitté le lycée Kernanek pour suivre ta voie. Il y a le caractère, ils sont italiens. Alors, comme vous le savez, j'aime bien aussi parler des copains, hein, voilà, parce qu'on est sur la même passion, alors, en tout cas sur l'événementiel. Moi, au rayon, forcément, animation, DJ, ça vous le savez, il y a mon copain Nathan, juste à côté de moi, coucou, voilà, le vidéaste. Il y a Franck là-bas, mais il n'aime pas passer à l'image, Franck, donc voilà, il préfère rester discret, il est recherché par, je sais pas, il doit se passer un truc. Mais, la police. Voilà, il est là, il dit, hop là. On aura une seconde et demie. Et le vidéaste, qui, lui, par contre, Nathan veut bien se présenter. Ouais, dis-nous un petit peu. Avec plaisir. Bah écoute, je m'appelle Nathan Moura. Voilà, je suis vidéaste. je fais pas que du mariage en fait. Je me spécialise un petit peu dans tout. En fait, j'aime bien explorer, tu vois. Okay. Je fais énormément d'événementiels, notamment le mariage, mais je travaille aussi pour des collectivités installées depuis 2 ans. Ouais. Par contre, je suis à mon compte à 100% depuis janvier. Mm-hmm. Voilà. Et ça ne demande qu'à progresser. Exactement, voilà. Voilà. Donc on va dire que je suis un peu novice dans le domaine. J'ai une dizaine de mariages à mon actif, tu vois. Donc on va dire que je suis un peu novice, mais voilà, j'en apprends. Il faut toujours un début, hein, ouais, complètement. Ouais. Ouais, je m'équipe au fur et à mesure. Après, on en parlait tout à l'heure, c'est un métier passion, tu l'as dit. Donc j'ai eu la chance d'acheter du matos au fur et à mesure, sans que ce soit mon métier, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, j'en profite pleinement parce que je suis pas comme le petit jeune qui doit acheter tout son matos d'un coup, tu vois, ou c'est 10 000 euros, tu vois. Mm-hmm. Après, attention, enfin le matos ne fait pas le photographe ou le vidéaste. C'est ça. Faut aussi bien savoir l'utiliser. C'est comme c'est comme le débat avec les DJ du Pioneer, du DJ des platines, pas platines, ouais. PC pas PC. Au final, c'est ce qu'on arrive à faire avec. C'est le travail qu'on complètement fournit. Voilà. C'est ta vision, ta créativité qui va faire la différence. C'est ça. Bah écoute, voilà, merci de t'être présenté. Ouais, Franck, aussi, hein, voilà, je propose, comme d'habitude, dans la description, je mets les liens aussi, je mettrai le lien de Franck Beaumont, c'est ça. Et puis Nathan, qui s'est présenté, on mettra les liens aussi. Nathan l'agence Nathan Moura Film sur Internet, on peut trouver mon site Internet. Enfin, c'est dit, site Internet et compagnie. Voilà. À tout à l'heure, les gars. Chaud. Allez, à toutes. Chaud. Allez, à toutes. À tout à l'heure. Mais aussi vous accompagner dans votre vie. Les aura qui évoluent. Le reste peut continuer.
Ça y est, clap de fin pour le mariage de Laure et Nicolas, ici à la ferme Saint-Chrysol, pardon. Séance démontage, et puis ben, petite séance échange et débriefing, si je puis dire, avec Julie et son équipe, que je vous présente tout de suite. Alors, je vous disais que j'allais vous présenter Julie, l'heureuse patronne et responsable de la ferme Saint-Chrysol. La voici, voilà, elle va se présenter un petit peu, nous dire un petit peu ta façon de travailler, ce que tu proposes, etc. Voilà, sois à l'aise, tranquille. Très. On est en famille. Dis-nous. Eh ben, donc je suis Julie, j'ai 37 ans, je tiens la ferme Saint-Chrysol avec mon mari qui est chef de cuisine depuis maintenant 7 ans. On a repris ce lieu qui ne tournait plus, on y a installé nos cuisines et on a redémarré donc tout doucement l'activité. Donc après 7 ans et un Covid, que l'entreprise a plutôt bien redémarré. Oui, c'était cet épisode compliqué. C'était une belle époque. Oui. Voilà, cette année-là, on a une grosse année en mariage. On en est à 47 là pour l'année. Cool. Donc voilà, c'est pas notre seule activité. On fonctionne aussi pas mal en séminaire et en événements professionnels. Mm-hmm. Les mariages, par contre, font quand même partie intégrante de l'histoire de la ferme. Du plus gros de l'activité, je pense aussi, pas forcément. Bah même pas, non. On est vraiment, vraiment moite-moite sur les privés et les pros. Mais voilà, après les mariages, ça reste une grosse activité de par aussi l'organisation et le temps que ça demande en préparation entre l'équipe et l'équipe. C'est un petit peu plus personnalisé aussi, du coup. Ouais, complètement. Ouais. Okay. Après, forcément, on a une trame qui est plutôt commune à tous les mariages, mais voilà, notre but, c'est vraiment de personnaliser le mariage en fonction des clients. On peut aussi bien travailler sur des petits souhaits de personnalisation comme des ateliers culinaires pendant le vin d'honneur, l'apéritif. Avoir un menu complètement différent de ce qu'on met de base dans la plaquette. Mmh. Plus en plus de mariages qu'on fait sur des formats barbecue, atelier culinaire, pas des choses figées à table, servies à table sur l'entrée plat. D'accord, donc vraiment diversification, ouais, on va dire, et personnalisation. Ouais, c'est le but quand on a les cuisines sur place, c'est de pouvoir gérer la globalité de la prestation et de pouvoir personnaliser vraiment en fonction surtout des demandes. Par rapport aux demandes, j'imagine, et ça donne des idées. Fait. Exactement. Aussi. Et on répond au client. Le client est roi, soi-disant. Voilà. Ok, bon, en tout cas, nous, ça fait plusieurs fois qu'on bosse ensemble. Je suis content de te faire intervenir dans ce vlog parce que, quand c'est pas bien, faut le dire, mais quand c'est bien, faut le dire aussi. Faut le dire aussi. Voilà, donc, écoute, je te tu dis. Tu manges bien en tant que prestataire. Ah oui, je fais souvent des photos de mes assiettes, je les envoie à ma femme pour tout te dire. Et puis, elle est jalouse. Ouais. Quand tu prends pas en prestataire. Il y en a beaucoup qui font ça. Non, belle assiette, moi, franchement, chaque fois que je viens, puis même au niveau de l'équipe, j'en profite aussi pour parler de Louise qui est derrière la caméra là-bas, qui veut pas intervenir, qui veut pas être vu non plus. Morgane et toute ton équipe, j'en passe, Guillaume, etc. Ouais, voilà, je retrouve un peu les mêmes. Et puis, on a une équipe vraiment au niveau du service. Morgane qui est interne à la société, donc qui est là sur tous nos événements, et une équipe d'extra qui gravite autour, mais qui sont toujours les mêmes. Donc c'est pour ça que pour nous, maintenant, vraiment, même si le mariage il est personnalisé, les grandes lignes du mariage, elles restent les mêmes en termes d'orga, et c'est quelque chose qui roule. Quoi. Au niveau de l'animation, c'est pareil, j'aurais tendance à dire, on a les grandes lignes de base, la souche, je veux dire, du mariage traditionnel, puis après, il y a les interlignes que c'est les mariés nous demandent de mettre tout en place. Tout à fait. Ok. Exactement. À la prochaine, merci Julie pour ton intervention, ouais, merci pour ton accueil, à la prochaine, merci et puis salut Louise qui est là-bas derrière. Fais voir Louise quand même, coucou. Allez, ciao, à la prochaine. Merci à tous de suivre la chaîne Tom Desono. Et puis, je vous dis très vite, presque très vite, je sais pas, j'en sais rien. Je vois pas le temps passer en fait. Ciao.